Coucou mes choubidous. Diable semaine, oui par la grâce de Dieu, oui tout ira à merveille. Coucou mes choubidous, alors que je vous explique, est-ce que je vous ai fait un petit post pour vous dire que voilà... Oui, je me mets un petit peu en stand-by. Ça ne veut pas dire que je vais pas bien, je vais très bien. Alors, mon make-up du jour est avec la palette Sananas. Comment vous dire, tout simplement que pour l'instant, je réfléchis parce que ma façon de voir les choses, j'ai un peu changé. J'ai rien contre Action. Action, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, que j'appréciais énormément. Mais suite à tout ce confinement, tout ce qu'on a vécu, toutes les choses qu'on a subies, on va dire... le manque de masques, le manque de plein de choses, les hôpitaux. Et puis vous savez que j'étais passée dans une émission, dans l'émission Tout compte fait sur France 2. Donc moi, je ne suis plus effectivement, alors ceux qui étaient très contents de me voir mes hauts l'action et tout ça, je n'ai plus trop envie, je ne vous cache pas, je ne vais peut-être plus beaucoup aller à Action parce que je trouve que si je peux... garder mon argent pour autre chose, eh bien, je vais le faire. Parce qu'acheter petit à petit, petit à petit, petit à petit, mais à la fin de l'année, ça fait presque, on va dire, à peu près 100 euros par semaine, par mois, pardon, même peut-être plus. Ça fait tout de suite 1000 euros, 1200 euros, quoi. Sans compter que des fois, je dépense beaucoup plus que ça. Donc voilà, j'allais beaucoup chez Action. Et au final, qu'est-ce qui me reste de chez Action? Je me dis... Peut-être vous allez être choqués, je pense que vous allez être choqués, c'est certain même. Mais je me dis que, ben, en fait, j'aurais pu m'acheter peut-être un beau canapé, il me serait resté. J'aurais pu m'acheter des trucs sympas qui seraient restés, quoi. Donc, j'en ai marre de dépenser de l'argent inutilement. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je prône maintenant le Made in France. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si on va avoir des prix compétitifs ou pas. Je souhaite de tout mon cœur que le gouvernement relocalise les sociétés, qu'elles redeviennent françaises, c'est-à-dire qu'elles reviennent en France. Voilà, je sais que la main-d'œuvre est beaucoup moins chère en Chine et au Vietnam et en Thaïlande, enfin, dans l'Asie. Sachant que moi, pour le moment, je ne vous cache pas, j'espère tenir la route et je pense que je tiendrai la route. J'ai plus envie, voilà, j'ai plus envie. C'est pas parce qu'il y a le corona. Je ne vais plus courir dans les magasins comme ça, acheter des choses. Je comprends qu'on puisse craquer. Je comprends parce qu'il y a eu le confinement et tout, mais je n'ai plus envie, moi. J'ai changé bien avant et je n'ai plus envie de ça. Donc effectivement, ma chaîne peut-être va peut-être moins vous plaire parce que je vais peut-être faire des vidéos, mais peut-être plus beaucoup de hauls, peut-être des hauls retour de course, oui, certainement des hauls retour de course avec des idées de recettes, pourquoi pas. Mais voilà, j'ai du mal parce que je suis sincère et je suis honnête et je suis franche et je vais plus faire de haut l'action, voilà, c'est mon choix, c'est l'émission d'ailleurs, c'est mon choix, c'est mon choix, j'ai plus envie d'aller dans les magasins, acheter des choses pour justement que bah, la France, j'ai envie d'aider la France, j'ai envie d'aider les commerces français, j'ai envie de participer, j'ai fait des petits dons, à ma manière à moi et à ma façon à moi et à ma valeur à moi quoi. Et je sais pas si ma chaîne va vous plaire parce qu'il y en a beaucoup qui sont abonnés à ma chaîne parce que je faisais beaucoup de haul action. Là pour l'instant je vais plus faire des haul action mais je ferai d'autres choses certainement. Je réfléchis à ce que je vais faire. Mais effectivement de faire un haul action tu peux monter à 2000, 3000 vues. Je m'en fiche. C'est pas le nombre de vues, c'est pas le nombre d'abonnés qui compte. Moi, c'est la qualité de mes abonnés. Le partage que j'ai avec vous, que je vous adore énormément à la folie. Et du coup, c'est important pour moi. Voilà, tout simplement vous dire que... Oui, c'est vrai qu'un coup, je regarde à droite, un coup, je regarde à gauche. Mais je suis devant le téléphone, devant la caméra. Mais c'est plus fort que moi, je tourne les yeux de tous les côtés. Tout ça pour vous dire que je vous aime de tout mon cœur. Que je ferai des... J'ai encore des vidéos qui restent de mes retours de course.
du make-up, comment j'ai fait mon eyeliner, très simple, facile. Franchement, je voulais vous le montrer, mais vraiment, je vais peut-être mettre la vidéo peut-être demain. Voilà, ce soir, je vais mettre cette vidéo. Tout simplement pour, je comprendrai si vous voulez plus me suivre. Si je vais dans un magasin, je n'hésiterai pas à vous montrer ce que j'ai acheté, aussi bien des vêtements, voilà. Mais je vais acheter utile, voilà, utile et responsable. Voili, voilou. Alors, j'avais besoin de le dire. C'était quelque chose qu'il fallait que je dise, je me répète, mais je pense que je passais à autre chose. Et on peut parler de plein d'autres choses. Dites-moi en commentaire ce que vous avez envie, que vous avez envie de voir comme vidéo sur ma chaîne. Voilà. Et comme ça m'aidera énormément. Que je ne veux plus, c'est bête à dire, je vais me faire encore huer, mais je ne veux plus du Made in Chine, je veux du Made in France. Tout simplement. Voilà, j'ai changé, c'est comme ça. Grâce à l'émission d'ailleurs, et en plus avec le confinement, tout ça m'a fait changer des choses. Changer le monde avec un bouquet de fleurs, la guerre en moins. Nanana. Voilà, bref. Sur ce, je vous aime, je vous dis I love you, je te quiero, ti amo. Je vais mettre la vidéo maintenant, je vais pas faire de montage. Sachant qu'en plus, ça va être très compliqué parce que je vais faire du télétravail sur mon ordinateur, donc que je vais plus pouvoir faire de montage comme ça pour l'instant. Donc si je fais une vidéo, je la mettrai comme ça à l'arrache, si ça vous dérange pas. D'accord? C'est-à-dire que je vais faire des vidéos à l'arrache, je vais plus faire de montage, je vous partagerai des choses. Si je suis dehors, je vous partagerai des choses. Voilà, je vous partage, on va partager des bons moments ensemble. Peut-être si je fais des recettes, je vous donnerai des idées, parce que c'est vrai que j'ai plein d'idées. Depuis qu'il y a le confinement, ben, je me remets à faire de la cuisine. J'ai fait tomber un truc, cata. Oh, aïe, 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 mon Dieu. Ah, faut que je le ramène, je le récupère, c'est mon étui de téléphone. Et j'ai plein d'idées, mais j'aimerais que vous me disiez ce que vous voulez voir sur ma chaîne, parce que ma chaîne, je pense qu'elle va s'appeler... Mais je pense qu'elle va s'appeler autrement. Je garderai Sibylle. C'est sûr que je garderai Sibylle. C'est une chanson, ça. Vous aurez tout ce que vous voulez, je crois. Bon, bah sur ce, j'espère que vous n'allez pas être déçus. Si vous êtes déçus, je peux le comprendre. Mais voilà, c'est moi, c'est ma personnalité. J'ai changé. Voilà. Je suis toujours dynamique, rigolote, toujours la pêche. Mais je ne veux plus acheter des choses inutile. Vous voyez, quelquefois, les émissions de télé servent à quelque chose. Et celle-ci m'a servi énormément. Sur ce, je vous dis I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo. Bye bye. Et dites-moi en commentaire donc ce que vous voulez voir sur ma chaîne prochaine. Si une pause s'impose, si je vois que j'ai pas de commentaires, je ferai une pause. Tout simplement. Donc là, je vais l'appeler, ben, je dois vous parler. Voilà. Parce que c'est vraiment ça, je dois vous parler. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Voilà, c'est ça. Je vais l'appeler comme ça. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Peut-être je vais perdre beaucoup d'abonnés, mais je n'ai plus envie de faire de haut l'action. Sur ce, je vous aime. Je vous dis bye bye. Ciao. Abonnez-vous si vous voulez vous abonner. Likez, partagez, commentez. Faites tout ce que vous voulez. Bye bye. Ciao.